Bonjour tout le monde, aujourd'hui vous allez apprendre que mettre dans une valise sans rien oublier et ne pas passer pour un prématuré qui a oublié sa brossette. Et ouais, on oublie souvent une ou deux choses qui nous fait passer pour un gros débile parce que genre on a oublié de prendre le papier toilette qui est super important. Trêve de plaisanterie, même si c'est pas une plaisanterie, mais vous aurez besoin tout d'abord d'un papier toilette parce qu'il y en a jamais dans les toilettes. J'ai oublié en fait de vous dire le plus important, c'est d'amener une valise. Une valise, vous pouvez la prendre grande ou petite, mais vous en prenez une. Pensez toujours aux conditions extrêmes, munissez-vous d'une casquette et de aussi d'un maillot de bain au cas où il fasse super chaud la night. En parlant de chaleur, moi je commence à avoir un petit peu chaud. J'espère que t'as aussi pensé aux lunettes de soleil. Et toi là, j'espère aussi que t'as pensé à la crème solaire parce que on se protège dans les yeux, ok c'est cool. Mais la peau, c'est plus important. Je déconne, on s'en fout, on veut tous ressembler à des écrevisses. Et bien sûr, j'espère qu'on est tous pareils, hein, qui des plages, du serviette et des bouteilles d'eau et on va faire tourner les serviettes. Et si tu veux te faire au plaisir, qu'est-ce que tu vas faire sans petit porte-monnaie où il y aura plein de sous-sous dedans? Il n'y a jamais rien dedans. Tout en te dorlant au soleil, tu peux également prendre des dons qui seraient peut-être utiles. Aussi livre un livre qui pourrait être inutile. Tu peux également faire un petit shooting photo avec ton appareil photo, oui, parce que ne l'oublie pas, il est toujours utile. Pense aussi à prendre un jeu de cartes, ça c'est le plus important du monde. Trop du cul. T'as cru que t'allais oublier mes super pantoufles de la mort qui tue? Non mais attends, les pantoufles, c'est... Y'a que ça de vrai. En parlant de chaussures, n'oublie pas tes chaussures de ville. Et tes chaussures de ville, tu peux aussi en prendre encore plus. Mais la seule chose à ne pas oublier, parce que bien sûr, tu vas grossir, hein, tout le monde le sait, en vacances on grossit. N'oublie pas de prendre ta super jolie pompe de running, même si elle est trop moche. Et pour ce qui va avec, bah, prends ton t-shirt de sport, ton short de sport, et ta bouteille de sport, et puis voilà, tu vas les éliminer ces kilos. Parce que ce qu'il y a là-dedans, il n'y en aura plus à la fin de la semaine. Ne m'oublie pas, non, ne m'oublie pas, surtout pas, tu peux toujours être utile. Ouais, le stylo ça peut toujours être utile, surtout quand tu tiens un petit carnet de bord ou alors tu payes avec des chèques. Mais maintenant, on le sait tous, on paye tous avec des cartes. Une des choses les plus importantes, n'oublie pas ton sac de linge sale. Le truc, tu sais, le truc qui est plus grave de la mort à la fin de la semaine. As-tu pensé au meilleur des choses les plus branchées au monde? Le chargeur. Ainsi que la multiprise. Où qu'on aille, il faut toujours se méfier. Prends un cadenas, que tu pars en Espagne, en Belgique, en Allemagne, en France, en Suède. Il y aura toujours des voleurs. Dédicace à celui qui m'a volé mon super beau cadenas. Qui était accroché à ma porte, mais du coup, il s'est recalé. Mais qui était là? C'est la pêche, c'est une montre. Stop! Prends une montre, achète-en une, vole-en une. Je sais pas, tu fais quelque chose, mais t'en prends une. T'as jamais pensé à ton avion ou ta voiture, elle aille n'importe où, et genre elle te conduit genre en Alaska? Et bah écoute, prends un bonnet avec des super beaux pompons et des petites guirlandes pour faire un truc de dingue. Oublie pas l'écharpe qui va avec, en mode voile des années 60, qui est trop juste. La classe. J'aime pas ce bonnet. Bon ok, on est tous d'accord, faut pas oublier les pulls, les pantalons, les jupes. Et quand on prend une jupe, bien sûr, on prend des collants, ce qui est parfaitement normal. Pense aux chaussettes, qu'elles soient noires, blanches ou multicolores. Ça peut toujours sauver la planète de ton odeur qui pue des pieds de... Bien entendu, pour les filles, vous oubliez pas votre super vernis, vos super beaux colliers, vos super beaux bracelets, vos super belles boucles d'oreilles. Et puis bien sûr, ce qui va avec, le dissolvant. Vous aurez aussi également besoin d'un sac de voyage qui sera très utile pour mettre les serviettes de plage et tout et tout. Prévois de la nourriture, on sait jamais si tu tombes en panne d'essence quand tu marches, mais c'est pas possible, on s'en fout. Tu prévois de la nourriture, tu prévois des chewing-gums, tu prévois à boire, tu prévois ça et tout ira bien. Hey mec, oublie pas le pyjama qui a trop de swag. Imagine, il pleut, t'as pas de parapluie, t'as rien, tu sors, t'es tout trempé. Bah oui, prévois un parapluie, c'est toujours important ça. Et oui, si tu veux pas attraper une pneumonie ou une laryngite, hein, oublie pas le sèche-cheveux. I believe I can fly. N'oublie pas aussi en passant le joli anti-moustique qui te sauvera la vie des piqûres de grattage. Et... Ah, prévois la ceinture de la mort qui tue, qui te fera pas perdre ton pantalon en 2 minutes. Eh mec, t'as cru te laver comment toi, sans trousse de toilette, ni de brosser les dents, ni rien, espèce de gros crade va. Sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, parce que sinon, je vais péter un câble. Et que vous ne serez plus le pauvre petit prématuré qui a oublié sa brosse à dents, parce qu'il est tellement con. Bref, je vous fais d'énormes bisous et ciao ciao.